Ça y est, j'ai mon nouveau PC. Une bête de course qui va remplacer mon ancien compagnon qui faisait encore très bien le travail mais commençait un petit peu à devenir obsolète. Du coup, alors, quel gros jeu je vais enfin pouvoir faire tourner? Et si je testais une adaptation d'un jeu mobile provenant tout droit de l'Apple Arcade, compilant moins d'une dizaine de couleurs et principalement fait en sprite coupé à la hache? Pff, cette chaîne me fait parfois faire des choses vraiment étranges. À la fin du deuxième âge, le roi Eric et le prince Daeric sont trahis par le cadet du roi, le jeune prince Raël, qui a vu son esprit corrompu par une épée maudite. S'ensuit une ère de magie noire, d'abomination et de souffrance. Cela fait maintenant 2 siècles que le roi Raël fait régner la terreur lorsque l'on apprend que 3 pierres magiques ont la capacité de détruire la lame sombre. Nous incarnons dès lors un jeune guerrier qui a vu dans ses rêves l'emplacement des pierres, et qui va donc partir à leur recherche. Dans les faits, vous allez traverser 12 chapitres composés chacune de plusieurs zones dans laquelle vous devrez nettoyer tous les monstres qui l'habitent jusqu'à la dernière arène de chapitre. Vous devrez dès lors battre le boss de zone et passer au chapitre suivant. Tous les 4 chapitres, vous collecterez une pierre jusqu'à combattre le roi corrompu. La version PC, en plus de la notation DX, comprend tous les chapitres du Bleak Sword d'origine, plus 3 chapitres supplémentaires provenant d'un DLC. Vous aurez également un mode arène où vous affronterez toujours plus d'ennemis, un monde intouchable où vous affronterez les 12 boss avec une barre de vie, et un mode random avec un côté procédural pour les gains et les boss. Je mobile oblige, les commandes sont assez simples. Un coup lambda, un coup fort en laissant son doigt appuyé sur la touche, une roulade et une parade. Tout consommera de l'endurance qui fondra à vitesse grand V lors des combats. Il s'agit là d'une volonté du jeu de rendre le tout plus dynamique car vous devrez alterner entre frappe et esquive le temps de recouvrer votre endurance. Le jeu fera également l'emphase sur la parade. En effet, une parade parfaite vous fera recouvrer toute votre endurance et frapper plus fort. Ce qui sera primordial si vous voulez oxyre l'ennemi au plus vite. Après chaque fin d'arène, vous gagnerez l'expérience et parfois un item. Certains seront consommables et vous redonneront santé et boost durant la bataille, et d'autres seront juste des pièces d'équipement qui augmenteront les caractéristiques. Malheureusement, vous serez limité à 2 emplacements. Il faudra donc souvent se débarrasser des gains pour faire de la place. A noter également qu'en cas de mort, vous perdrez tous vos items et l'expérience emmagasinée sur l'arène en cours. Vous aurez cependant une occasion supplémentaire pour tout récupérer. Si vous mourrez à nouveau, dans la même arène, vous perdrez dès lors tous vos items. A chaque montée de niveau, vous pourrez augmenter, selon les propositions, votre santé, votre attaque ou la résistance aux dégâts. Le jeu tentera de rares reprises de varier le gameplay, notamment sur les phases de cheval, mais le jeu se perdra cependant dans une petite répétitivité dont nous reparlerons un peu plus tard. Au niveau de la DA, c'est le parfait adage du faire beaucoup avec peu. Chaque personnage est un sprite monochrome qui représente vaguement ce qu'il est censé représenter. Et c'est étrange à dire, mais ce brouillon de sprite arrive à véhiculer quelque chose. Pas une émotion, hein, il faut pas pousser, mais c'est étrange de se dire que l'on comprend ce que le concepteur veut représenter avec la bouillie de pixels qui est à l'écran. Et de ce fait, le jeu est moche et beau à la fois. Moche parce que l'on voit à l'écran, mais la performance de rendre quelque chose de visuellement compréhensible avec le matériel de base est plutôt belle, je trouve. En ce qui concerne les environnements, Bleak Sword DX est plutôt varié. Ce qui est une performance vu le peu de couleurs employées, même s'il faut bien avouer que si variété il y a entre les chapitres, les arènes à l'intérieur de ces derniers se ressemblent un peu beaucoup. Ce qui est dommage, mais pouvait-on vraiment faire mieux? Au niveau de la difficulté, je ne l'ai pas trouvé si inaccessible que cela. On nous vendait un Dark Souls fait de sprites, mais je dirais qu'il est parfois plus injuste et frustrant que dur. Dans le sens où la barre d'endurance est très limitée, 3-4 coups il faudra fuir, l'habilité est parfois limitée, et il ne sera pas rare que vous soyez pris dans un combo de coups qui vous retirera beaucoup de vie en une seule et unique attaque. Mais le jeu nous permet de recommencer assez rapidement dans l'ère de notre trépas, d'anticiper les zones d'apparition des ennemis, et la parade parfaite, qui est un élément plutôt grisant du jeu, n'est pas toujours obligatoire tant selon l'ennemi, il suffit parfois de le rusher en bonne et due forme. La perte des items n'est pas si pénalisante que cela, en effet elles vous boosteront parfois une caractéristique, mais sans la différence manette en main m'a semblé minime. Les boss ont des patterns assez simples et la roulade est un bon moyen d'arriver à ses fins. Alors au final, que peut-on vraiment reprocher au titre? Eh bien, j'ai joué à Bleak Sword DX, je suis arrivé à la fin et puis j'ai écrit mon test. J'ai monté la vidéo, et puis je suis passé à autre chose. C'est à peu près ce que je fais tout le temps, mais là, c'était criant de banalité. Je veux dire par là que le jeu ne m'a véhiculé que très peu d'émotions dans la forme. Le gameplay est basique et assez répétitif, on enchaîne les arènes que l'on termine parfois en moins de 2 minutes, puis on passe à la suivante, au monde de level, mais au final, ça ne sert pas à grand chose car ce qui compte, c'est les récompenses. À un moment, j'avais l'impression de speedrunner les chapitres pour arriver au boss final. Beaucoup de redites au niveau des mobs et même les nouveaux, il m'arrivait de les rusher et de marteler la touche d'attaque sans même chercher à comprendre leur pattern. Pour quand c'est le tout, on va influer sur l'environnement et on sera attaqué de part et d'autre, le tout s'avère très minimaliste dans sa DA mais aussi dans son gameplay. Je pense que pour des runs vite fait dans le métro c'est adapté, mais devant mon PC il n'y a pas eu de moment où le jeu m'a fait comprendre qu'il pouvait titiller mon excitomètre, au point où je l'ai trouvé sympathique, un poil répétitif, mais juste sympathique.
et c'est principalement ça que je reprocherai au titre. Au vu de sa DA, j'espérais qu'il apporte autre chose. Mais sans faire offense au format portable, j'ai l'impression que les limitations de gameplay dues au support d'origine l'empêchent de proposer plus qu'un défouloir maniable, certes, avec de bonnes maîtrises du pixel art monochrome minimaliste, certes, avec un système de parade parfois jouissif car les patterns d'attaque des mobs est plutôt visible, certes, mais en manque de ce petit quelque chose qui ferait qu'on se rappellerait plus de Blitzward Dix en tant que jeu à part entière que d'un passe-temps plaisant mais oubliable. C'était Old Dog qui sur le fond n'a pas grand chose à reprocher à ce jeu. Il est maniable, il est original dans sa DA, il fait bien le taf de passer le temps, et je pense que le problème vient plus de moi qui, au vu, j'avoue, de la DA, m'était imaginé quelque chose de plus profond. Il n'en reste pas moins que si vous jouez à Blitzward Dix, vous passerez un bon moment, sans prise de tête, pas mémorable, mais tout de même plaisant. Il ne me reste plus qu'à vous laisser là et vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée.